Paranormal, horoscope, clou, égout, clown, égout, gay, pour résumer aux nouveaux arrivants. Je sais pas si vous voyez ce que c'est les podcasts, enfin le podcast de Sophie-Marie Larouille qui s'appelle À bientôt de te revoir, qui est terminé maintenant, mais qui existe, qui existait. Et elle avait un truc qui était trop bien, qui s'appelait. Je sais même plus comment ça s'appelait. Mais en gros, à chaque. Stop le coup de rappeler, je sais, Refka. Les Ryan, voilà, c'est ça. À chaque fois qu'elle faisait une émission, elle donnait Ryan, qui était en fait le fil conducteur de l'émission. Et du coup, il y a quelqu'un dans le public qui notait tout ce qui se disait. On devrait vraiment faire ça sur ce stream parce que ce serait intense. Très gênant, ce qui Allez, se passe. au revoir. Faut pas se gerber dessus. Information pour les streamers et youtubeurs, la musique du jeu est utilisée de telle manière qu'elle peut être librement laissée en arrière-plan, mais ce n'est pas exact. Quoi? Elle peut être laissée en arrière-plan, mais ce n'est pas exact. Hein? C'est pas ce que je veux faire, oh, c'est pas fou, ce quoi. Que je veux faire. Ouais. Ouais, vous cuisinez pas? Non! Assez peu. C'est juste une question simple, Florent. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est bon, ça, c'est bon, c'est bon, allez, volez, 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 volez. L'émission, tiens, l'affiche de l'émission la semaine prochaine. Il y en a pas, je suis en vacances. C'est vrai. En vacances, ouais. Celle d'après, pardon, je sais la chercher. Alors oui, la semaine prochaine, pas de stream. Je suis en vacances, en famille. Excusez-moi. Profite bien. Je vais profiter. Oh, donc rien. N'hésitez pas. Vendredi 10 mars. Vendredi 10 mars. On reçoit Jiraya, Mademoiselle Sony, qui est une streameuse qu'on adore, et pour la première fois dans l'hebdo Étienne, Maxime Biaggi. Oh énorme. Alors? Ah, énorme! Ça, ah, ça c'est génial! Maxime Biaggi! Maxime Biaggi, quand même! Voilà. Le grand! Bon. Et puis n'hésitez pas à suivre cette chaîne, à suivre, me suivre aussi. Mes réseaux sociaux aussi, Constance aussi. Constance Villanova sur Skyblog. Comprends, hein? Mise à jour Livebox, diagnostic. Bon, rien du tout. Appli pour ordinateur, Orange et moi, TV d'Orange, aide en ligne, espace client. Vous tenez à partager une opinion politique extrêmement importante? Super! La politique est quelque chose de très important et nous aimons voir des jeunes gens si investis dans l'avenir. Mais avez-vous déjà pensé à vous insérer votre opinion dans le fion? En la laissant mûrir pendant quelques années supplémentaires sans l'exprimer, votre opinion n'en sera que meilleure! Essayez, le résultat est garanti! Quel jeu j'ai joué il y a genre une semaine? J'ai joué à StarCraft 2, mec. Oh. SC2. Mec, Rayou qui fait dans la nécrologie là, j'en peux plus. Non mais tu sais qu'en vrai, je pense objectivement être un des meilleurs protos du serveur. Aïe aïe aïe. Ah, du serveur, oui, c'est possible. Ça va, mec. Parce qu'il y a plus personne. Ah oui, du serveur, c'est probablement vrai d'ailleurs. tu te rends pas compte, mec. Fort. Peppa Pig. Peppa Papi. Peppa Pig. Peppa. 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 Pig. Pig. C'est dommage, c'était hors tellement. Ah oui, complètement. J'ai ouvert mon Facebook. Oh non, non. À vous, mais... Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai ouvert son Facebook. Il y a rien. Il y a rien, c'est que des photos de moi, mais c'est honteux. J'ai oublié que t'en partage. Magira. Oh, oh, mais c'est non, bon, ils ont pas vu des photos de ah, moi en collant. Mais t'es là, mais je te vois, je te reconnais, t'es en bleu. Et oui, je suis en bleu. C'est la seule bah photo, oui. Je crois que j'ai. Elle est en bleu. Oh, oh non, j'ai une autre photo de classe. Oh, ah. Non, je vous la montre pas, j'en ai rien à foutre. Bagheera, elle est pas. Dégueu. Blood and butter, bref. Vas-y, oh là, ça va être bien. Comment ça, t'es pas morte? Voilà, j'en étais sûr. J'en étais sûr. J'en étais certain. Vous avez déjà essayé d'éteindre et puis de rallumer. Pas de reset, mais juste éteindre et allumer votre livebox. Oui, je l'ai fait de nombreuses fois, oui. Oui, quand même. Mais c'est pour ça que c'est compliqué. Est-ce que vous pensez qu'il y a à un moment donné... Voilà, la boule, 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 boule,
C'est parti, 3 minutes. Oh putain, la map du 1 quoi. C'est parti, 3 minutes. Mais logique, c'est pas aléatoire. La map du 1 quoi. Mais logique, c'est pas aléatoire. Putain, mais ta gueule. En fait, j'ai ouvert mon stream sur le côté pour faire la prête. Diable, hein. Là, les viewers de Chichaou, ils doivent pas être contents quand même, hein. C'est qui joue beaucoup à Isaac? Et Kofefe, là. Celui qui se moque de moi, là. Et qui va se faire casser la gueule, là. Si je te retrouve, Kofefe, là. Eh, si je te trouve à Montpellier, Kofefe, attention, là. Il joue bien à Isaac ou pas? Qui est chez Solary, mais qui avant était plus chez Solary, mais qui encore avant était Solary, a fait un faux compte Twitter dans lequel il s'appelait Kakorp je sais pas quoi, et en fait, donc selon ses dires, pour s'immiscer dans la fanbase Kakorp et voir ce que c'était d'être un fan Kakorp de l'intérieur, bon, ce qui est un peu étrange déjà, parce que si tu veux voir ce qui se passe sur une fanbase, t'as juste à cliquer sur des tweets, pas forcément à en faire, mais voilà. Et donc il avait dit... Enfin non, il avait rien dit du tout. Et donc, d'après ce que j'ai compris, Kamel, il y a 2-3 jours, Kamel Kameto, hein, Carmine, Kakor, tout ça, a fait un live et a dit « Ouais, ça me saoule parce qu'il y a des gens de la scène qui font des tweets sur nous avec des faux comptes et tout le monde le sait et on peut rien dire, mais voilà, maintenant ça me casse les couilles. Donc je sais qu'il se reconnaîtra, ça me saoule. » Il avait pas droppé son blaze. Et du coup, Chap a fait un tweet en disant « Ben ouais, c'est vrai, c'était moi, mais c'était il y a longtemps. Et c'était quand j'étais en Indé, donc s'il vous plaît, faites pas chier Solary là-dessus, et machin. Depuis, j'ai tout délai, je suis désolé, machin. » Sauf que, il existe un superbe site. Vraiment un FF. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, genre. Shift F3, il est encore là en plus, le spawner. Merde, le t-shirt. Merde, le t-shirt bloqué dans le fond vert. Faut que je colle une saloperie là. Faut que je colle une saloperie là, genre un truc comme ça. Hop là. Ces joueurs de JL qui l'ont tout simplement massacré. Ok. Ok. Mais oui. Mais what the fuck. Oh, il a plus de base. Vas-y, 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 vas-y. Ouais, 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 let's go. Oh, Ghoster. Ghoster, la machine. Ghoster qui les a éteints. Ah, oh, voilà, c'était le coup de cœur, T-Bag. Oh, vous a... Oh là là. Oh, ils ont été éteints. Totalement, totalement éteints. Hop, salut. Pouette, pouette. Ouais, ouais, salut, pouette, pouette. Oh, ok, c'est une écho, ok, c'est une écho. Mais là, voilà le petit dernier, 2 balles. Les deux joueurs qui se regardent, les deux joueurs qui ont plus de balles, ça switch cut, ça re-switch classique. Hop là, vous avez vu ce qu'il a fait? Il a commencé son bunny hop. Il voit que Ip Valston, du coup, il counter-strafe bunny hop pour l'éviter et ensuite il lui ressaute dessus. Ça, c'est incroyable. Vous avez vu? Le petit coup à gauche pour éviter le stun de Ip et repartir en bunny hop derrière. Incroyable. Incroyable. Ouais, time out, ouais.